Eh bandit, mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Les amis, donc nous, demain, on se retrouve sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Sefens. Au total, 16 partants, ça sera pour les chevaux qui de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 150 000 euros. Et il y aura un recul aux 25 mètres à partir de 71 000 euros. Donc il faut savoir que c'est à partir du numéro 12 Galileo Bello que ça va rendre 25 mètres. Voilà, donc c'est un lot assez homogène. On peut dire que de tout peut arriver. On peut avoir des belles petites cotes à l'arrivée. Voilà, hein. Donc c'est parti, nous les amis. On va faire de suite notre pronostic. C'est parti. On va commencer et je vais faire confiance aux chevaux de 25 mètres. Voilà, et on va commencer par ce 12 Galileo Bello. Déféré des postérieurs, sera monté par Benjamin Rochard qui le connaît bien. Faut savoir que le cheval actuellement. A remontré un peu sa forme à Laval. Il a fait un truc, hein, même si c'était une course, je crois, d'apprenti. S'est fait toiser par Golden Visé, très bon cheval aussi. Voilà, il avait trotté une 16-4 pour les 2850 mètres. Attention à lui. C'est un cheval quand même qui a affronté des lots plus forts que ça dans sa carrière. Voilà, hein, il avait croisé le fer avec Firecracker. Il y avait bien d'autres. Attention à lui, voilà. Certes, les stats au niveau quinté, ça plaide pas pour lui, hein, parce qu'on voit que le cheval, il en a couru, ben, je crois qu'il en a couru 5, il a fait disqualifié, 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 cinquième disqualifié. Ah ouais, faut avoir peur. Mais attention, avec Benjamin Rochard, je pense que c'est quelqu'un qui peut l'amener à la victoire. Honnêtement, je serais très déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Tout sera une question déjà de départ, et bien sûr, il faut qu'il reste au trot. On n'est pas à l'abri d'une bêtise avec lui, hein, durant le parcours. Mais s'il est bien, même aux 25 mètres, je pense qu'il peut, voilà, il peut aller toiser tout le monde, ce 12 Galileo Bello. Ma deuxième base, je vais mettre un cheval qui est en forme et un cheval qui détient, je crois, le meilleur chrono du parcours. Je crois que c'est une 13-5. Voilà, une 13-5, c'était sur les 2850 mètres. Et attention, hein, c'était la course. L'année dernière, le prix Constellation, et dans cette course-là, il y avait une certaine Ampia MDSM, Gamay de Liton, Aura SL, Eric de Hill. Il y avait même du Gassama Dessa qui retrouve demain, mais attention, là il ne va pas être déféré des 4, Gassama Dessa. Hein. Et Galon de Vire terminait bon 6ème, et battait des chevaux comme Amour AS. Il y avait les Européens quoi, dans cette course, donc attention, c'est une course catégorie B. Donc attention à ce Galon de Vire en plus voilà, qui a retrouvé la forme. Macho Mochi qui s'en sert ben, magnifiquement, hein, très bien. Hein. Le cheval il vient de nous faire deuxième sur la courte distance, sur les 2100 mètres, en trottant 1.11.7. Il vient de battre son record. Et c'est intercalé entre Galant Gala et Gitano Jack. Il y avait Gasoline du Sud, une jument qu'on connaît bien. Là aussi, c'était un très bon lot. Pour moi, là aussi, s'il se fait bien ramener, vu le lot, là aussi, je serais déçu de ne pas le voir. À l'arrivée et lutter pour les bonnes places, voilà, avec Galileo Bello et Galon de Vire. Pour moi, ce sont les deux chevaux quand même un peu, on va dire, de classe de ce quintet-là. Il faut qu'il reste au trot et bien sûr avoir le bon parcours. Hein, c'est jamais simple de rendre 25 mètres à Vincennes. Voilà, donc mes deux bases, 12 et 14. Mon coup de cœur, c'est ce 11, Galion Volzin. C'est la team Écho de Chancy. Écho de Chancy, bientôt les amis, bientôt. Voilà, j'ai appelé Tony Le Belair, m'a dit, oh là, bientôt. Prochain coup, prochain coup. Voilà. Donc, Galion Voisin, attention, déféré des 4. Il a une très bonne stat. Hein. Parce que si on voit ses stats déféré des 4, il fait 3e, 4e, 1er. Bon, il a fait 7e et 2e. Il est souvent là. Et la perf qu'il faut prendre, c'est à Vincennes le 15 février, quand il était drivé par. Un certain Jean-Michel Bazir, il était déféré des 4. Et le lot, là aussi, sacré lot, Général de Loiron, Gigolo du Noyer, et Galion Voisin avait fait un truc dans cette course-là, parce que Jean-Michel Bazir, c'était lui qui ramène le wagon de 2, mais en plus, il le ramène, il a attaqué, je crois, à un tour de l'arrivée, quoi. Même pas au dernier tournant, à un tour de l'arrivée, deuxième épaisseur, il a bien tenu, le cheval, parce qu'il arrive à aller prendre la troisième place. Certains chevaux auraient craqué, celui-là non. Et je pense que Tony Belair connaît le cheval déjà,
Mais je pense pas qu'il va faire comme Jean-Michel Bazir, attaquer de loin. Je pense qu'il va faire un peu comme il a l'habitude avec Yeko de Chancy, hein, c'est-à-dire, en plus il va partir en première ligne. Il va essayer déjà d'avoir un bon départ, cacher le cheval et faire finish d'enfer. Donc attention à Galion Voisin, c'est mon coup de cœur, je le vois aussi même gagner. Hein. Voilà. D'autant que lui, il est très bien placé à la limite du recul, déféré des 4. On fait appel cette fois-ci à Tony Le Belair. Là, pour moi, je crois qu'ils ont tout mis pour lutter, même pour la victoire. Voilà. Donc, mon coup de cœur, le 11. Derrière, le 3 d'Outsider, on va mettre ce 3 à Gaeching, déféré des 4. On fait appel à Franck Nivard, détient l'un des meilleurs chronos du parcours. Hein. Je crois que c'est le 4e, 5e cheval qui a le meilleur chrono. Il aura l'avantage de partir en premier échelon. Donc, premier échelon avec Franck Nivard. Le cheval qui est en forme, entraînement qui est en forme, Gaeching qui vient de nous faire deux fois quatrième à Laval et surtout sur ce parcours qui était mené aussi par Jean-Michel Bazir. Quand on voit le lot, je me rappelle cette course parce qu'il y avait un certain Ganymède de Dussac, le choco du jour Mika Turf qui avait gagné à 10 contre 1 avec Eric Ravin. Alors lui, on l'avait attendu, ça faisait un mois, Ganymède de Dussac, qu'on l'attendait. Et dans un lot où il y avait un certain Gaspard d'Angis qui venait nous battre à la fin. Autant vous dire que Gaspard d'Angis, si demain il courait ce quinté-là, il était pour moi favori. Voilà, même aux 25 mètres. Donc attention à Gaeching, vu la perf qu'il a fait récemment. C'était déjà un très bon lot. Hein. Il y avait du Guy d'Érable, Gilles Moore. Non, non. Moi je vous dis qu'attention à ce Gaeching avec Franck Nivard. Toujours pareil, s'il a le bon parcours. Là aussi, un très bel point de vitesse. Je pense que là aussi, ça peut prendre une très belle place ce 3. Après, deuxième outsider, on va mettre cette tasse, Galion, le moins riche, mais on va dire l'un des plus doués, qui a connu voilà, des soucis de santé, même soucis pulmonaires. Et il revient doucement, doucement. On fait appel là aussi à un crack jockey, Yo-Yo Le Bourgeois. Donc faites attention à Yo-Yo Le Bourgeois. On l'a vu dans l'étape du GNT, les amis. Voilà, vous avez compris. Hein. Donc Yo-Yo Le Bourgeois aura Galion qui revient en forme. Voilà, a fait ses deux courses de rentrée. Il a gagné à Chartres en étant ferré. C'était déjà une surprise à 38 contre 1. Et dans cette course-là, il battait des chevaux comme Grèzes, voilà, Gudouël, des chevaux qui ont au moins 14 000, 14, ouais, 14, un peu plus de 14, de 90 000 euros, tout ça, 5 000 euros. Hein. Donc lui, on le voit qu'il a que 56 000 euros. Et attention à Galion, voilà, qui vient de nous faire aussi deuxième à la Capelle. Voilà. Il y a plus Galion. Il a quand même battu des très bons chevaux. Je sais qu'à Vincennes, il avait battu sur les 2100. Je crois que c'était petite piste. Ça remonte à 2020, certes. Mais bon, ça battait du Gébus de Navarie. Bon, Gébus de Navarie, maintenant, je crois qu'il a plus de 130 000 euros. Attention à Galion. Un cheval peut-être même à un net retard de gain. Hein. Voilà. Un retard de gain. On le fait appel à Yo-Yo Le Bourgeois. Déféré des 4. Il est en forme. Surprise possible. Et pour finir, dernier outsider, on va faire encore confiance aux premières lignes. Ce 7, Gélasquez. Voilà, Gélasquez, monté par l'écurie Frank Hahn, qui vient de très bien gagner dans un hippodrome à Gournay-en-Bray. Avait fait déjà bon deuxième à la Capelle en étant que ferré. Là, cette fois-ci, il a gagné. Voilà, certes, c'était un. On va pas dire que c'était non plus un gros lot, mais il avait très bien couru. Il aura le même déferrage, hein, c'est-à-dire déferrer des postérieurs et plaquer des antérieurs. Ça l'a réussi parce qu'il a gagné. C'est un cheval qui peut s'adapter à Vincennes. Ça sera on va dire que c'est pas sa première fois à Vincennes parce qu'il en a couru, il a couru deux courses à Vincennes. Ça s'est mal passé, mais attention, hein, c'était sa première année de course, donc ça remonte à peut-être 2-3 ans. Là, le cheval il est en forme, comme j'ai dit, hein, vu sa dernière course, il peut créer une belle surprise là aussi, hein, ce 7 Gélasquez avec l'écurie Frank Hahn. Mon regret, et c'est vraiment un regret parce que c'est un chouchou à moi et c'est un choco aussi à moi pour ceux qui me connaissent, c'est ce 13 Ghost. Pourquoi je le mets en regret? Bon, avec lui, c'est simple. Si l'entourage vient pour faire course, il va être dans le quintet. Mais moi j'ai peur d'une course où je l'ai vu encore engagé le 13 avril, je crois, où il sera très bien engagé, où il va pas rendre 25 mètres en plus. Je crois que pour 1800 euros, voilà, c'est une course à Reims, je crois.
Et surtout, Ghost, j'ai remarqué que c'est pas vraiment un cheval qui rend 25 mètres, c'est plutôt aussi un cheval de vitesse, d'autostart. Et surtout, c'est un cheval qui, voilà, qui rend pas 25 mètres. Je l'ai mis en regret. Pour moi, si l'entourage fait course, il va être là. S'il n'est pas là, ben, le 13 avril, hein, voilà pour Ghost. Les amis, voilà pour le pronostic pour demain. Nous, les amis, on va revenir au choco du jour. Donc, le choco du jour qui était dans la réunion 3, course 6. Donc, le choco du jour pour les nouveaux, hein. Les chocos, donc je les mets dans ma communauté avec le tableau des étoiles, avec, avec sa grosse sélection, hein, des tableaux des étoiles. Et le soir, hein, j'affiche le choco pour la veille. Donc bien sûr, c'est pour ceux qui sont abonnés, voilà, pour avoir ça, hein, allez-y sur mon bouton rejoindre, tout est expliqué. Donc le choco du jour aujourd'hui, c'était ben, dans la 6e, Réunion 3 à Lyon-Paris-Lille, et on avait joué ce 9 impressionnant. Voilà, un bon poulain que ça fait, ouais, ben, ça fait déjà bien, allez, 5-6 fois que je le suis, et ça fait déjà, allez, 2-3 fois que, déjà la dernière fois j'ai dit qu'on allait le surveiller, et là on avait joué, hein, impressionnant, ce 9, qui fait bon troisième. On va dire aussi qu'on a eu, voilà, faut pas se mentir, on a eu un peu de chance parce que, il y avait un cheval devant nous qui était déjà de toute façon disqualifié. Mais on fait quand même, voilà, bon troisième. Hein. Et surtout, la cote était pas mal à 12 contre 1. Et comme il y avait des sacrées arrivées, la place elle paye bien, hein, 3,20 €. Donc c'est pas mal. Voilà. Impressionnant. Je pense que il gagnera sa course, voilà, avec Serge Pettier, surtout à Lyon-la-Soie. Je pense que peut-être dans une course autostart, il gagnera sa course. Voilà. Donc en termes de choco, on est remonté un petit peu. Je crois que ça fait du 4 sur 7. Voilà, donc on reste sur cette ligne. Les amis, moi comme d'habitude, je vous dis bon pronostic, bon jeu, à demain. Adios.